Let's go. Aujourd'hui, journée de checking. Je repère des lieux via différentes sources d'informations. Et puis, je m'y rends pour voir si c'est viable ou pas. Voilà la magie du check. Tu te balades dans les villages, tu tombes sur des petits trucs à droite et à gauche. Voilà, ancien site industriel trouvé par hasard. On va voir ce que ça donne. Tous les carreaux sont cassés. Les portes sont ouvertes. C'est vide. C'est ultra méga vide. Parfois on tombe sur des bonnes surprises. Parfois non. Pièce automobile. Salle de douche. On va essayer d'aller voir de l'autre côté au fond là. Peut-être qu'il y a quelque chose. T'arrêtes pas, tu sais pas. Ça c'est grand quand même. Bonne longueur. Il y a des pneus. Caravane. Système d'aération tout démonté. Chercher une caravane, très bon état, 1500 euros, contacté. Qu'est-ce que c'est ça? Chelou. Du graffiti. Fauteuil au milieu des pneus, tout à fait normal. Ça fait la place d'un canapé. Oui, c'est original comme ça en fait. C'est conceptuel. C'est d'être le salon du bonhomme Michelin, un truc comme ça. Ils auront une fleur d'ouverture, je trouve que c'est pas aimé. Pas plus par ici. Toilette. Où je fais pas à l'accueil. Je vais m'en tirer quelques photos, hein, je pense. Oh putain, ça glisse. J'ai failli me tuer. Ouvert en cas de vent. Visiter reste. De la pollution, merci bien les gars. Filtre à huile, filtre à air partout. Ah non, c'est la rideau de fer qui fait du bruit. Bon ben voilà, on se retrouve pour la suite. Pour beaucoup l'urbex est
que du lieu abandonné, des choses comme ça. Pour moi, c'est aussi de l'insolite. L'insolite du genre de ceci. Voilà. Ça, c'est simplement l'entrée d'une base militaire. C'est ouf. C'est dingue. C'est magnifique. De combat. Voilà, on se retrouve pour la suite. Le type de défrichage qui mène à rien. Tu défriches, c'est-à-dire que tu cherches du spot, t'essayes d'être original, de pas poster toujours la même chose que les autres, comme tous les moutons d'Instagram. Non, je veux la même photo que j'ai vue sur Instagram. Non, c'est pas ça. Là, c'est que tu cherches des trucs originaux. Mais bon, là, c'est un flop. Donc c'est un flop. Donc on verra plus tard. Quelques restants de tombes. Quelques gravures. Les orties qui poussent à la fraîche. C'était pas prévu, mais c'était à côté de la défriche. Donc, bon, on va t'en faire un petit truc. Hey, nous voilà dans un ancien presbytère, en tout cas les ruines d'un ancien presbytère. C'est vraiment plus que des ruines. On peut même plus se rendre compte de l'atmosphère intérieure. Beaucoup de poteaux, quelques restants de murs, mais vraiment plus grand chose. Je m'attendais à un petit peu plus quand même. Ok, voilà ce que ça donne. Oh, mais tu sais, ça pourrait peut-être faire croire que t'es en Italie, dans les ruines, ou en Grèce, dans des pays comme ça. Voilà, non. Ça lui commence à se coucher doucement. Voilà. C'est court, mais bon, non, qu'est-ce que vous en pensez? Essayer de trouver un autre lieu avant que le soleil tombe. Pour l'anecdote, si vous suivez Mamie Twink,
Vous avez vu qu'ils sont tombés sur un ermite dans un fort. Et en fait, en arrivant, enfin en faisant ma, en partant faire ma drouille, je suis tombé sur lui. Il était en train de faire la quête à un feu. Du coup, je me suis arrêté, je lui ai donné quelques pièces. Je lui ai demandé comment ça se passait pour la caravane. Il m'a dit qu'il avait toujours pas de terrain. Donc, si vous connaissez un endroit où il peut se loger ou mettre sa caravane, cette histoire n'est toujours pas terminée. Donc voilà, c'était marrant de tomber sur l'ermite. Je ne sais plus comment il s'appelle là, de tête. Mais voilà, pour la petite anecdote, une petite virée sympa. Donc si vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo. Dans un petit carré, soit là, soit là, soit là, soit là, soit là, soit là, soit dans ton cul, tu verras bien. On me dit ici ce que ça donne. Ouais. Les fans d'altitude, ils seraient comme des fous là, ils seraient déjà montés dessus. Mais très peu pour moi. Ouais, que dalle en fait. Wow, wow. Non, on a pas vu. Ça peut quand même faire toute une bonne photo. Le seul moyen d'accéder en haut, c'est par l'échelle apparemment. Ah, tant pis pour l'intérieur. Hein. On va rester sur l'extérieur. On va avoir beaucoup vertige. Moi, mais je suis dessus. Le gueule de l'échelle. Je ne mets pas un pouce dessus. On fait le tour du propriétaire. Hein. On recule un peu. On est entouré d'arbres. C'est fort sympathique. Donc voilà. C'était pas prévu au programme. On était sur ma route. Voilà, la bagnole est là-bas. Il y a un bel arbre à côté, ça peut faire une belle photo. Voilà. Voilà, voilà. En espérant trouver un autre petit truc sur la route. Allez, à tantôt. Voilà. Il a pu être bien très bien frais ce poisson là. Oh, on peut squatter là. Faire la teuf. Super 35 David Brown. Ah, ça manquait de véhicule dans cette vidéo. Ouais, un petit. Dans un petit spot que j'ai déniché là. Le proprio est arrivé. Je me suis planqué, j'ai flippé, m'a calé. Et heureusement, par chance, c'est un urbexer.
Donc, il me laisse libre accès, tranquille. Et puis, après, je m'en vais. Beaucoup de stress quand même. Espèce de vieux tableau, assez ancien. Plein de vieux bocaux. Nestlé à l'ancienne. Malheureusement, il n'y a plus de machine à coudre. Putain, mais il est crucifié là. Jesus. Pas trop traîné non plus, j'ai dit que j'avais presque fini, je vais pas passer la journée là non plus. Belle petite cuisinière. Bel escalier par contre. Oui, je suis toujours là, dans 5 minutes j'ai fini. Ah, c'est ce propriétaire qui a fermé derrière moi. Oui, je suis toujours là, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes et j'ai fini. Ok, ok. Mais je préfère rester là parce que mes cousins sont un petit peu cons si c'est eux qui tombent sur vous. Ça marche. Ah. Ok, merci. Pas traîner comme le proprio, ouais. Il est pas loin. Ouais, une petite visite rapide, sympathique. Un petit spot bien niqué. Voilà. Voilà, c'était pas le spot de l'année, mais c'était un beau petit spot. Quelques petites frayeurs, sympa. Donc quelques pouces bleus, ça encouragerait. On s'abonne, on like, on commente et on partage. Allez, bisous.